Salut à tous! Comme le disait si justement Scrat dans ses dernières péripéties. Autrement dit, nom d'une coquille de noix, cette politique régionale européenne va me rendre dingue. Et pourtant, c'est assez simple. Dans le traité de Rome de 1957, qui constitue l'acte de naissance du projet européen, il est noté en préambule que l'objectif de la politique régionale européenne vise à assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés. Pour cela, les institutions européennes ont inventé les NUTS, c'est-à-dire les nomenclatures des unités territoriales statistiques qui correspondent à un découpage permettant la réalisation de statistiques régionales à l'échelle européenne. Alors pourquoi ne pas avoir simplement repris le découpage des régions françaises? Tout simplement parce que le découpage français n'a pas d'équivalent dans les autres pays d'Europe. En Angleterre, on parle de ward. En Irlande, on découpe le territoire en comtés. Et au Luxembourg, il n'existe même pas de région. En fait, il existe une très grande diversité d'organisations régionales en Europe, et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Avant même de comparer les régions françaises et allemandes, on peut déjà rappeler que les régions françaises sont très différentes les unes des autres. Par exemple, la Guyane a une superficie de 83 500 km², alors que Mayotte ne fait que 374 km², soit 223 fois moins. Autre exemple, Mayotte, encore elle, compte seulement 187 000 habitants, alors que l'Île-de-France est la région la plus peuplée avec 12 millions d'habitants, soit 64 fois plus. Dernier exemple, le PIB par habitant est de 50 000 euros en Île-de-France, alors qu'il est de 25 000 euros en Corse. Lorsque l'on compare les régions françaises et les régions allemandes, les différences sont encore plus flagrantes. En moyenne, un land allemand compte 5,2 millions d'habitants contre 2,4 millions pour une région française. Mais c'est surtout au niveau de la richesse que les différences sont les plus importantes. Cette carte nous permet de constater que la plupart des régions françaises sont en dessous de la moyenne du PIB par habitant à l'échelle européenne, quand la plupart des régions allemandes sont, elles, au-dessus. Remarquez au passage que l'on repère bien la célèbre mégalopole européenne, autrement appelée Baleine bleue ou encore parfois Baleine Schtroumpf. Mais la différence entre les régions françaises et allemandes n'est pas que statistique, elle s'observe également d'un point de vue institutionnel. En Allemagne, les Länder ont beaucoup plus de pouvoir que les régions françaises. Elles peuvent par exemple développer leur propre politique linguistique et éducative. C'est-à-dire que les programmes scolaires ne sont pas tous les mêmes dans chacune des régions. Elles ont également une politique des salaires des agents des services publics différente les unes des autres. Un fonctionnaire allemand exerçant en Bavière n'aura donc pas forcément le même salaire que son homologue du Brandenburg. On parle alors d'État fédéral, c'est-à-dire un État composé de plusieurs entités territoriales qui composent ensemble une fédération. Or, l'État fédéral partage sa souveraineté avec les États fédérés. En France, les choses sont loin d'être aussi simples. L'État a longtemps été unitaire avant de concéder progressivement certaines de ses prérogatives aux régions au nom du principe de subsidiarité. La région française, dirigée par un conseil régional élu au suffrage universel pour 6 ans, a donc obtenu des compétences dans le domaine du développement économique, dans le domaine de l'aménagement du territoire, et notamment pour la question des transports, dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, et plus précisément les lycées, mais aussi, depuis la loi de décentralisation de 2002, dans la protection du patrimoine, dans le développement des ports maritimes et des aérodromes, dans la protection de l'environnement. Cependant, l'État continue à garder un œil sur tous ces domaines et continue lui-même à impulser des projets qui viennent s'ajouter à ceux des régions. C'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Cette expression est une métaphore qui vise à montrer que l'administration française s'organise par couches qui se superposent les unes sur les autres et qui, lorsqu'on l'utilise, essayons de comprendre pourquoi le contribuable français s'en met plein les doigts à chaque bouchée administrative.
D'abord, il ne sait jamais vraiment où il doit mettre ses doigts. Avec ses 37 000 communes, ses 35 000 groupements de communes, ses 101 départements et ses 27 régions, il n'est pas toujours facile de savoir où s'adresser pour demander un dossier de bourse ou le remboursement de sa carte de transport. Ensuite, chaque boucher risque de déboucher vers une autre boulangerie. C'est comme le boucher, mais sans viande. En effet, en vertu de la compétence générale de chaque collectivité territoriale, les communes, les départements et les régions font un peu ce qu'ils veulent. Ainsi, alors que ce sont les régions qui sont censées financer les lycées, il est possible qu'une ville décide de le faire aussi de son côté, parce qu'elle en a envie, et puis c'est tout. Enfin, tout ceci crée un énorme gaspillage de crème pâtissière. La crème pâtissière étant fabriquée avec du beurre, cela fait beaucoup moins de beurre à mettre dans les épinards. Sauf si vous avez une excellente cuisinière. Bref, ça risque d'être beaucoup moins bon à la cantine. Il ne faudrait cependant pas trop cracher dans la soupe du millefeuille de choux. Les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux représentent au total un élu pour 125 habitants. C'est-à-dire en fait des dizaines de milliers de citoyens prêts à mettre la main à la pâte ou les pieds dans le plat. Seul l'avenir nous dira finalement ce que les députés décideront concernant la future recette du millefeuille. Vont-ils marier subtilement les saveurs des départements et des régions, ou bien vont-ils ajouter un nouvel ingrédient, le conseiller territorial? C'est ce que le comité Balladur avait proposé, mais on lui a finalement demandé. Je vous demande de vous arrêter. Et nous aussi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.